temps, c'est énorme. Hein. J'y suis depuis le début. On a mis notre cœur, hein. Comme on en avait qu'un, on ne pouvait pas en mettre plus. Les corps lèvent feu. Génial. C'est une grande famille. Ouais, une famille. C'est une deuxième famille. 40 ans d'histoire, de passion, surtout d'amour pour la danse. C'est un rendez-vous. Le rendez-vous depuis des années. J'aime bien l'esprit, j'aime bien les robes, les costumes. C'est le groupe où je danse depuis toute petite, depuis que j'ai 4 ans et demi. J'ai commencé à mes 4 ans, donc ça fait 14 ans que je suis dans les corps Eiffel. On fait ça depuis super longtemps et toutes les semaines, depuis 12 ans. On était à l'époque le premier groupe ou le seul groupe où les enfants n'étaient pas des adultes en miniature. C'est de la transmission à 100%. C'est développer le patrimoine de l'Alsace. Il aime surprendre. On fait des spectacles, mais aucun ne se ressemble. Toujours avec un renouvellement, de nouvelles idées. On continue de vivre, de respirer, chaque fois c'est différent, c'est un nouveau bonheur. Moi je ne fais jamais la même chose, ça m'ennuie. C'est sûr que c'est difficile, mais bon, c'est ça qui donne le piquant. Pour moi c'est une très grande rencontre. On trouve des amis, de l'écoute, on discute, on se côtoie en dehors de la danse. C'est un beau passe-temps, et puis c'est une belle aventure surtout. C'est surtout quand les danses sont bien, tous ces mouvements, et puis ouais, c'est de l'ambiance quoi. C'est 37 ans de bonheur. On oublie tout, on est là avec les copains, avec les amis, on s'amuse, on danse, on rigole. Et punaise, on a quand même fait de super choses. Je suis président, je suis fier de l'être. Et puis voilà, on va essayer de les emmener toujours plus loin et toujours plus haut. C'est pas une danse du passé comme ça, c'est une danse de maintenant. Et c'est ça qui est formidable pour le folklore. C'est l'épanouissement. Oui, ça m'a aidé à m'épanouir. Je crois que c'est important. Hein. Sortir de la coquille et faire autre chose. Arriver à parler, par exemple, devant 2000 personnes au Palais des Congrès, jamais je n'aurais imaginé ça. Avant.